sur la PE. On garde la même teinte. On va mettre un jeu de base. Pareil, notre meilleur. Ah ouais, mais le truc, c'est que ça fait bugger le jeu, ce truc. Non, mettez en pause. Et là, on va tout ruiner. Parce que je vais voir mes filiales. Et je leur dis, les frérots, vous ne développez que sur mes consoles. Bon, donc en vrai je m'en fiche, hein. Je serais pas rentable, je serais peut-être pas rentable tout de suite. Mais l'idée c'est de niquer le marché du jeu en fait. Si on peut le faire, autant y aller quoi. Pour le moment je suis à 1% de part de marché. En vrai c'est déjà énorme. 1% de la part de marché c'est... C'est pas mal. Hop. 70 millions de joueurs. Plus que toute la France. Hein. C'est quasiment le nombre de followers de Elon Musk sur Twitter. Je crois qu'il a. Au moment où je tente, je crois qu'il a un truc genre 76 millions de followers. En même temps, c'est Elon Musk, quoi. Bref. On manque encore un poil de personnel. Oh tiens. Il a bugué lui. Eh oh. Eux, ils en sont ouf. Ça a baissé. Ils vont réussir à l'abattre, ce courrier.
Ouf. Succès garanti sur celui-là. Jeu de l'année. Eh, ça y est, je suis à 100% là au niveau réputation de travail. De part de marché. J'ai déjà remboursé quasiment, ouais, presque 100 millions sur le sur la Player One. Enfin, sur la Player 2030. Ah, je vous ai dit, moi ma console préférée c'est la Game Boy Advance SP. C'est la, pour moi c'est la meilleure console portable que j'ai eue. J'ai plus joué avec que j'ai joué avec ma Nintendo DS. Et ben let's go. Ah d'accord, je peux le vendre à perte. Si je veux, je peux vendre à perte. Hop, allez, prix du kit de développement. Mais j'autorise des jeux de tiers. Hein? Elle est moins bien que... Ah ouais. Ah ouais. Oh. La question c'est est-ce que je commence déjà à développer les prochaines? Parce qu'en vrai c'est faisable, hein. Juste, je la mets en prod. Je commence par la Pocket Edition et je ferai la celle de salon après. Oh, Prince of Persia, tiens. J'ai joué à un Prince of Persia sur... C'était sur quoi? Ça devait être sur PS2. Il était dur! Je sais plus c'était lequel. Il était dur, il était stressant, il était poursuivi par un espèce de spectre, je sais pas trop quoi, c'était chelou. J'ai jamais vraiment été fan hein, de Prince of Persia. Enfin, l'aventure est ouf, hein, mais c'est pas mon délire, quoi. Ouais, bah vas-y, allez, hop. On met de live, ça. J'ai un doute, j'ai sélectionné, mais... Oui, je les ai sélectionnés, 199% de hype. Bien. Ah,
Bon, les toilettes et la salle de repos, faudrait que je les rapproche. Hein. Faudrait que je les rapproche. Est-ce que je le fais? Let's go en vrai. Allez, en vrai, allez, hop, on va donc refaire des toilettes. Et on va faire des grandes toilettes. Pas la mettre celle-là. Hop. Puis même même schéma que le précédemment. J'ai un doute. Attendez. Ouais, en vrai, 3 suffisait. Du coup, je vais réduire de 1. Allez. Voilà. Du coup, lavabo, sèche-main. On va les alterner comme ça. Ouais, ok. Voilà, hop. Alors, ici. Hop, hop. C'est bon, ça devrait être bon. Comme ça. Même un poil trop espacé. Je vais les remettre normalement. Ok. Bon, du coup. Et ouais, je peux en mettre beaucoup plus. Ça, c'est quasiment des chiottes de luxe, hein.
Ok, il manque plus que les que le chauffage. Il est où le chauffage? Il est là. Hop, on va mettre sous. On va les mettre comme ça. Non, c'est pas ce que je voulais. Ah, mais j'arriverai pas à le saisir. Hop, juste mis un radiateur. Le radiateur qui est là, là. S'il vous plaît, le radiateur. Ah, ce jeu. Hop. Ce radiateur là. Voilà. Nickel. Ok, donc ça c'était la salle. Voilà la salle de. La salle. Les toilettes. Du coup, maintenant, la salle de repos. En vrai, ça va être un peu la même politique. Enfin, ça va être plus ou moins. Hop, ok. Alors, ça va être. Ouais, alors on va mettre 2-3 petites fioritures. Hein. On va mettre un. Notre jeu de fléchettes, le mini-golf, tout ça, y a pas de souci. Voilà, un petit flipper de niveau 3. Voilà, on va mettre. On va peut-être mettre un petit piano aussi pour celui qui veut en jouer, voilà, hop. Le réfrigérateur, ça, je l'ai dit, indispensable dans une entreprise. Voilà, 5 frigos. Rien que ça. À mettre des fauteuils. Hop. Le long là. C'est bien ça, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On se croirait dans un salon de coiffure parisien, mais c'est une bonne scène de repos. Allez, hop. Let's go. Puis du coup, les autres salles, on peut les supprimer, celles-là. Elles sont. Elles sont dépassées. On a fait beaucoup mieux. Ouais, ça faisait partie des premières pièces qu'on avait faites. Du coup, c'est un peu vide, hein, en vrai, hein. Oups, oula. J'ai failli arracher le câble de mon micro. Bon.
Niveau du tournage, tout va bien là? Ouais, oui, c'est bon, tout fonctionne, tout est nickel. Tout est parfait. Non, c'est le jeu que je veux pas, le pas OBS. Voilà, hop. C'est bon, t'as fini? Bon. Ce qu'on va faire, c'est. On va prendre. Ces robots-là, on va les caser là. Ça, c'est les robots nettoyeurs. Ok, on va compléter la collection, si je puis dire. Voilà. Je veux pas en entendre un gueuler comme quoi c'est sale dans les locaux, hein, avec la quantité de robots que je viens de mettre. Ouais, niveau jeu, ça se dépeuple, hein. En vrai, je vais laisser les jeux se passer parce que le courrier devient vraiment insupportable. Mais en vrai, je pense qu'on a atteint les limites du jeu, hein. On va quand même voir si le fait d'avoir créé une console, ça a permis de débloquer le rachat des devs. Non. Pas de prix de vente. Malheureusement, je n'arriverai pas à acheter Microsoft, notamment. Nintendo, Sega. Atari et SMK, je vois pas ce que c'est SMK. SMK Corporation, Pony c'est Sony, hein, c'est sûr, mais SMK ça me parle pas. Je vois pas ce que c'est que cette boîte. SMK. Ah, c'est pas IBM? Je crois que c'est IBM. Il est possible que ce soit IBM. Bon,
Est-ce qu'on tente avec nos petits studios là, qui sont en train d'échouer leurs tâches en plus. Enfin voilà, on a. On va les laisser faire. On va essayer de réatteindre les 80, enfin les 100%. Voilà, hop. On va faire ça. Et on va arrêter l'automatisation. Alors ça. On arrête. Et je vous propose, c'est qu'on sorte le pire jeu possible. C'est, on sort le jeu, le on ressort worst, en fait. Du coup, pour ça, donc, on va prendre notre équipe de développement. Développer un jeu. On va faire un nouveau jeu. Voilà. Alors, on va sortir un jeu B, du coup. Pas de moteur, ni rien. Faut qu'on trouve des thèmes à chier. Mais vraiment les pires thèmes. Alors, déjà dans les thèmes principaux... Donc déjà, il faut taper dans les plus 18. Est-ce que j'ai des thèmes plus 18? Non, j'ai que des plus 16, hein. Ok, donc déjà il faut les thèmes c'est Piggy 16 déjà pour commencer. Vraiment le jeu qu'on jugerait problématique, vous voyez l'idée. Je sais qu'on a le thème érotique qui titille toujours tout le monde dans le jeu. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec le thème érotique qui serait mais dégueulasse. Il y a un thème enfant, non, on va pas faire ça. Je suis sûr qu'on peut trouver encore plus dégueulasse, je suis sûr. Je suis sûr qu'on peut. On va vraiment te chercher dans les thèmes plus 16. Criminalité. Force spéciale, gangster. Horreur. Mercenaires militaires. Rencontre. Tueur à gage. Et si justement, plutôt, je cherchais dans les Peggy... Dans les Peggy plus bas. Il y a la politique. La politique Peggy 16, Peggy 6, quoi. C'est n'importe quoi. Le Fury, hein. J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on aurait en truc extrêmement dégueulasse qui pourrait aller avec ça? Politique, ce serait facile. Politique, ce serait facile. On aurait ça. ça serait bien dégueulasse. Où on a la mécanophilie. Il y a tellement de trucs.
Mutant, hein, quelque part, mais il y en a forcément qui ont des kings chelous. Au secours! Érotique et instrument de musique. Il y en a qui vont se retrouver avec des flûtes à bec là où il faut pas. Oui, je pars en cacahuète, hein, mais en même temps, là c'est le but, hein. C'est le but. Érotique et grenouille, ouais, mais non, ça pourrait être interprété comme un conte de fées où t'embrasses une grenouille, il devient presque charmant. Ah, mes couilles sur ton front. Fantôme extraterrestre, ouais. Non mais érotique enfant, évidemment, ça serait vraiment dégueulasse. Mais c'est tellement attendu. Comme truc. Non, je suis sûr qu'on peut trouver pire. Hein. Déjà, je trouve que érotique et mouton, c'est plus drôle. En vrai. Il y a le jeu. Il y avait un jeu du JDG comme ça. Brad Stallion, je crois. Un truc comme ça. Érotique chevaux, chiens, chèvres. Chant, allez, hop. Oh non, et au secours. Animé. On fait du hentai, quoi. Allez, on va choisir un animal. Chèvre, ça me fait rire. Chèvre ou mouton? Allez. Du coup, ce sera un roman visuel. Roman visuel, film interactif. Quoique non, en fait. On pourrait mettre que roman visuel. C'est juste un roman visuel. Érotique avec des chèvres, au secours. Comment il s'appelait? Il y avait un mec comme ça qui avait fait une vidéo sur YouTube où il disait qu'il s'était tapé une chèvre. Ah, oh, c'était comment? Ça vient de me revenir. Ah, attendez, attendez, attendez. Faut que je cherche ça. Faut que je trouve, faut que je retrouve ça. YouTube. Hop. J'ai plus son nom. C'est ça, c'est Jimmy. Ah, c'est comment, c'est Jimmy? Je suis en train de taper des mots chelous dans mon YouTube. Oh, qu'est-ce que je fais pas pour vous, hein. Ah là 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 là. Il s'appelait Jimmy. Jimmy le Sicilien. C'est ça. Il s'excuse auprès de sa femme pour ses actions démesurées. Non mais c'est...
Oh, puis là, y a l'autre mec aussi qui est chelou, j'ai plus son nom. C'est comment lui? Oh, mais y a ces mecs perchés là, ils sont passés dans. Ah, j'ai plus lui, et je sais comment il s'appelle lui. Ah, bah c'est ça, c'est le What the Cut 11. On vient de me proposer le What the Cut 11. Et j'ai plus le nom de l'autre là. Et apparemment, lui a essayé de se taper une vache. Bref, Jimmy le Sicilien. On va te faire voir Jimmy le Sicilien. Je peux copier le nom? Ouais, je peux copier le nom. Ah, pour ceux qu'on jamais vu, n'allez pas voir. En concepteur principal. Ouais, bon, allez, nickel. Fan moteur. Alors, il va falloir quand même qu'on fasse un tour des dev kits. Parce que pareil, j'ai pas acheté de dev kit depuis longtemps. J'ai même pas fait de jeu mobile ni rien. Ouais, les jeux mobiles en vrai, c'est pas ouf dans le jeu. Aïe aïe aïe. À l'aide. On va quand même la sortir sur la nôtre. Hein. Et en vrai, on va la sortir sur nos deux nôtres. Hop. Ah oui, il n'y a pas de moteur, hein, donc il n'y a pas de souci. On va quand même mettre le multilingue. On met quand même la protection contre la copie. Alors, là faut qu'on s'amuse. L'histoire est. Faut que l'histoire soit à chier. On met un truc en. On leur. Non, faut qu'on soit cohérent. Le but, c'est de faire le pire jeu, mais. La mission de Jimmy, se taper la chef sans se faire choper par sa femme. Et on fait un jeu excessivement facile. Sortez-moi de cet enfer. On va finir là-dessus. Aucune. Rien. Je mets rien. Si, faut quand même que je mette au moins Internet. Ah, mais je peux même pas en vrai. Vas-y, allez, allez, on va essayer quand même.
On met des choix multiples, mais pas de fins multiples. Mais j'imagine tellement le jeu, bordel! C'est tellement horrible! Mais je l'imagine tellement le jeu! Oh, au secours! Ah, je suis en train de péter un plomb. Comment? C'est une simple fonctionnalité, hein. Et pourtant, l'idée de le mettre dans un jeu pareil me fait rire. Faut pas grand chose. On le sort en VR. La réalité augmentée, oui, mais on le sort aussi en VR. Oh bordel. Aïe 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 aïe. Les achats intégrés. Indispensable. Est-ce qu'on rajoute des codes de triche? Non. Mais en vrai, que je m'emmerde, moi. Faut commencer par le bas. Faut commencer par tout ce qui n'est pas cohérent, tout ce qui ne sert à rien. Patte dedans, support volant. Hop. Pour dire à tes amis que tu joues à ce jeu. Le multijoueur. Des succès pour maître. Des quêtes rejouables. Ah, mais quand même le VR, du coup. Allez. Et des grosses salles. Je suis en train d'imaginer des trucs à chaque truc là. Les cosmétiques, les animaux montures. Les... Allez, on va arrêter le massacre. Hein. On va s'arrêter là. Hop. Support manette moderne. Pour écran tactile. Il me faut clavier et manette. Du coup, il va falloir que je supprime des trucs. Souris en vrai. Bon. Qu'est-ce que je peux supprimer? Les quêtes rejouables.
Parfait. Allez, c'est parti. Hop. Mais non, mais pourquoi je veux améliorer gameplay, moi? Ah, mais non, mais faut pas, faut pas, faut pas. Faut pas que je fasse ça, en fait. Ça, non, eux, ils vont continuer leur contrat, en vrai. En vrai, ils vont continuer leur contrat. Je suis con, moi. En vrai, on le sort à l'ancienne. Il y a un bug. Faut que dès qu'il est fini, je le sorte direct, sans correction de bug. Faut vraiment que ce soit vraiment le pire jeu, quoi. Mais même truffé de bugs, quoi. Genre la chef, ça devient une ragdoll, bordel. Oh non, merde, au secours. Le truc qui glitch dans les murs et tout. On va faire de la hype dessus quand même. Et sinon, vous avez vu nos consoles? Ça, on va présenter le jeu Worst. J'ai mis le Sicilia. Mais vous imaginez la vidéo passée en conférence à l'E3? Au secours! Putain, bordel! Oh, bordel! J'imagine trop, tu passes la vidéo YouTube de Jimmy Sicilien sur, sur le grand écran là, de l'E3. Au secours! Oh, sortez-moi de là! Je vais faire une petite salle en attendant. Ah, j'en pleure de rire. Ah, j'en pleure de rire. Puis il y a de la hype là-dessus en plus. Ça va être le pire jeu de l'année. Et le pire, c'est qu'il va être rentable. C'est sûr, c'est obligé que c'est le pire jeu de l'année. Déjà, je trouve qu'ils étaient gentils à la fin de la saison 1, si vous l'avez vu, enfin, à la fin de Mad Game Tycoon 1, j'avais fait ça, hein. J'avais fait un jeu qui s'appelait Worst, et c'était le pire truc que je pouvais faire. Je sais plus quel était le thème, je sais plus quel était... je crois que j'avais pris quand même érotique, je crois, un truc comme ça. Mais je sais plus ce que j'avais pris. C'était le pire jeu. Faut pas que je réfléchisse, hein. Dès qu'il sort, enfin dès qu'il est dev, je polish que dalle. C'est la femme à Jimmy.
Désolé, il y aura beaucoup de monde qui s'en sera pris plein la gueule avec de 1 à 10%. Il m'a coûté 1 300 000. C'est parti. Voyons ce carnage. Eh oui, le 1%. Le 1%, c'est pour qui? Oh merde. Ah, au secours. S'il pouvait ne pas être rentable, ça serait génial, mais il le sera. Ce qui aurait été drôle aussi, c'est de le sortir sur bord d'arcade. Il y a même le logo de bug dessus. Et bordel, il m'a rapporté 1 000 000. Ce serait ouf, c'est qu'il me ramène 1 milliard. On creuse encore? Ah non, on n'a plus de jeu. C'est notre dernier jeu. Hey, la Playgirl, elle est... La console de... De salon, elle est rentabilisée. À 1 euro de bénéfice, hein. 1 dollar de bénéfice. Alors là, qui peut s'asseoir à ma table et me dire j'ai rentabilisé une console de salon avec 1 dollar de bénéfice par console. On va attendre 2040 et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. On s'arrêtera là-dessus. On va attendre que Worst sorte du marché, déjà. Il m'a rapporté 4 millions. Ouais, il va m'en rapporter 5 millions, quoi. Bah oui, évidemment. C'est une évidence. C'est une évidence. C'est une évidence. Par contre, au niveau du courrier, les mecs, ils arrivent pas à suivre. C'est aberrant. Attendez, je viens de réagir, mais hey, faut autre chose, hein. Faut faire autre chose. Faut faire le rapport de jeu. Bah oui, faut le faire. Est-ce qu'on peut faire... On peut pas faire un DLC payant de... Ah oui, mais non, mais de toute façon, il a déjà quitté le marché en vrai. Faut juste qu'on fasse ça. Le rapport de jeu. Pour comprendre ce qui s'est pas bien passé. Parce que, quand même... Faut comprendre ce qui s'est pas bien passé, parce que là... Là, je comprends pas. À l'aide.
Le pire, c'est que là, j'ai que mes consoles qui sont... Ça y est, et puis la Pocket Edition, elle est aussi rentabilisée. Allez, fais-moi rire. Termine de me faire rire. Allez, le service qualité, dites-moi ce qui s'est mal passé. Oh le con. Oh le con. Oh bordel, j'y vais que pour mes consoles. Ah, fais chier. J'y vais que pour mes consoles. Eh ben non, on est en 2039. Du coup, je vais plutôt faire la hype sur mes nouvelles consoles. Et comme ça, janvier 2040, eh ben je la publie. En vrai, je la publie en décembre 2039. Là, je la publie là, fin d'année. Enfin, je l'ai publié là, comme ça, fin de l'année. Comme ça, c'est Noël. Attendez, faut qu'on lise le rapport. Faut qu'on lise le rapport. Putain! La conception des personnages, je suis bon! Il m'en dit pas plus? De nombreux fans sont ennuyés par la qualité de Worst. De nombreux fans sont déçus des graphismes. De nombreux fans sont déçus par le son. Mais... excusez-moi, je m'entends pas derrière tout seul. De nombreux fans se plaignent du contrôle de Worst. Bah c'est qu'à se laisser pas faire la chèvre. Oh, je suis désolé, je pars en délire total. Certains fans pensent que l'histoire de Worms divise le Sicilia, c'était pas passionnante. Je sais pas ce qu'il te faut. Le mec qui part. C'est vrai que l'histoire, elle est ouf quand même. Désolé, je vais crever. Le mec, il décide de partir en opération ninja. De façon à ne pas se faire choper par sa femme. Pour aller stopper la chèvre quand même. Au secours! Certains fans auraient aimé une meilleure profondeur de jeu. Ah, on fera pas de blague sur la profondeur. Certains fans pensent que Worst a été trop développé pour les joueurs occasionnels. En même temps, tu te vois de faire de la compète là-dessus. Un jeu de compétition, quoi. Le premier qui arrive à choper la chèvre. Oh merde, au secours! Certains fans auraient aimé voir plus d'innovation dans Worst. Qu'est-ce que tu veux innover? Certains fans auraient aimé une meilleure conception de niveau. J'ai fait ce que j'ai pu sur la prairie. Ou sur l'auberge. Ou sur, enfin, sur, enfin, sur l'auberge, le... Ah, comment ça s'appelle? Oh merde, là où on met les... Justement, les chèvres, les... la bergerie, la bergerie. Quoi, elle est pas belle ma bergerie?
Certains joueurs se plaignent qu'il y a trop de violence représentée dans Worst. Ah, j'avoue que c'est la violence. Hein. J'avoue que l'histoire, c'est la violence. Bordel, le dernier commentaire, c'est quoi? Certains joueurs se plaignent que Worst est trop facile. Bah, c'est qu'elle se laissait pas faire la chef, mais elle courait pas vite non plus. Je suis horrible. Je suis un homme horrible. Mais bon Dieu, ce que j'ai rigolé. Ah bordel. Allez, c'est là-dessus qu'on s'arrête. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Est-ce qu'il y a d'autres trucs à voir? Ah oui, on n'a pas lu ça. Le gameplay a commencé faible, puis a chuté. Brusquement. D'accord. Un jeu où il faut mieux garder l'écran éteint. Le son d'une perceuse et un son apaisant par rapport à cela. Vous ne pouvez secouer la tête qu'aux commandes. Quoi? Vous ne pouvez secouer la tête qu'aux commandes. Je suis sans voix. Le jeu est un désastre. Pour moi, c'est un des pires jeux de l'année. Un génie incompris. Je vais crever. Bon, allez, on arrête la série là-dessus. Je pense que c'est une bonne fin. On est multi. On a 200 milliards. C'est débile. On a un service client qui croule sous les courriers, qu'on peut plus. J'ai 130 gugus là qui sont en PLS. Ah bordel. Allez, on va juste publier les consoles, on s'arrête là-dessus. Mais ah bordel, Mad Guide Tycoon 2, comme le 1, je recommande d'y jouer. J'y recommande d'y jouer, vous pouvez faire tellement de trucs. Vous pouvez. Et puis même, la gestion du. Comment. La gestion de jeu. En vrai, vous pouvez gérer votre studio, mais de plein de manières différentes. Allez. On est en décembre 2039, je publie mes deux consoles. Je prends la même politique. Aïe aïe aïe, oh, j'aurais bien rigolé. Ah, oh, sur la fin, j'aurais bien rigolé. Bon, bah écoutez, sur ce, bah, j'espère que cette série vous aura plu. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. Je sais pas qu'est-ce que je vais encore trouver comme pépite sur lequel tourner. Mais je vous dis à bientôt.